y a peut-être encore des survivants. Mais ça crame de partout. Oh mon dieu, what the fuck, ok. Joe, y a un livre. Moi qui soit mort parce que lui, il aimait beaucoup, malgré qu'il m'a frenché. Fernando le coquin. Je pense qu'on va devoir débarquer. Oh, attends. Je pense que c'est les pieurs. C'est quoi ça? Dojo, faut sauver le villageois. Ah. Ouais, faut le sauver. Faut le sauver. Comment met la clé? Ils l'ont exécuté. Non. Oh non. Moment drift de la vidéo. Ouais. Tu l'as bien esquivé. Un biome, mais ça. Non, à terre. Ah, ça, c'est pas mal, ça, je pense. Ouais, je pense. Il a l'entrée qui. Oh! Oh! Y'a rien. T'as-tu des torches? Moi j'en ai 59 life. Moi ils sont pas en jeu. Puis j'en ai. Ouais, prends-en pour être sûr. Parce que je pense que c'est un bon labyrinthe. Oh, y'a un squelette. Bon. Ça. Je pense qu'il y en a un peut-être en dessous. Check donc la tombe pour être sûr. Ça, je pense que ça a l'air d'un spawner à ce qu'il y a là-dessus. Non, ah non, un coffre. Oh, diamant. Ah, t'as moi. Yonk. bon, c'est quoi ça? Ok. Oh, un coffre. Oh, le casque du fox. T'as eu le casque pour vrai? Ouais. Viens, coffre. Oh, il est correct, on dirait plus une tête d'ours. Il était-tu fort? C'est quoi qu'il fait? Plus 2 d'armure, plus 2.5 d'attaque de mage. Oh, ok, parfait. Attends, il y a des cadres de je sais pas quoi. Des cadres? Ah non, c'est pas mal. Ah, c'est des pressure plates. Ok. Cul-de-sac. Ah, attends, il y a une porte ici, je suis pas en de voir là. Est-ce qu'on va faire les autres avant ou on fait elle? On va faire la porte, je pense. Y'a pas de bouton, hein. On va être obligé de la péter. Ok, ici, ça descend. On va faire tout l'étage avant de descendre. Oh! Ça fait. Hey, man, c'est grand. Des pommes, patates. Oh, du fer! Oh! Check dans celle-là, Léa. Hey, c'est meilleur que ce que j'ai. Y'a le plastron du fox dans lui. Oh, faut qu'on ait le fox pour le mettre. C'est pas vrai? Ouais. My god, ok. Veux-tu le mettre? Moi je le veux bien. Je peux te donner mes équipements là. Non, je m'en fous, j'en ai pas. Je vais garder quand même le kit du guépard. Oh my god, je vais être sick. Il manque le chapeau. Non. Je l'ai pas. Ouais. Ah, il est quand même sick. Ah, par exemple, j'ai une calvitie en arrière. J'ai plus 10% de dégâts live. Avec ça, c'est quand même bopé. Ok, on va aller par là, je pense. Oh my god, oui. Ah, ça va être les bannières! Même pas prêt. On prend-tu une bannière de chaque? On pourrait prendre une bannière de chaque. J'ai pris portail du Nether. Ouais, tu peux prendre une bannière. Celle-là. Puis celle-là. Putain, on a les trois. On a le dragon. Ender. Portail. Puis je sais pas c'est quoi le nom là. L'affaire des crânes. Ici, y'a rien. Ouais, c'est ça, Wither Skeleton. Est-ce qu'on. Attends, on va checker ça. Puis il y avait une autre porte en métal aussi qu'on a pas vu. Oh!
C'est grain, ça? Non, viens, ah, ben. Viens avec des tables. Oh! Une taverne. Quoi? Ok, je pense que c'était un piège. J'entendais un bruit. Hey, check! Il y a une tête de dragon. Non, il les a déjà. Bon, juste une de chaque pour collection. Il y avait une porte en métal à quelque part qu'on a raté. Là. Ici, toi. Hein. Il y a un monstre. Un zombie. Ah, puis il y a une autre salle ici. Il y a encore plein de coffres ici. Hop, oh, j'ai cliqué sur un lit, moi, ici, tu as cliqué. Oh, c'est pas dans la même place. M'a vidé mon inventaire vite vite. J'ai trouvé un coffre. Ici avec une belle banderole. C'est quoi qu'il y a? Banderole et un coffre. Une banderole qu'on a pas ou? Oh, on l'a pas, hein? On l'a prendu ou pas? Ah! Oh my goodness. J'ai bien fait de le taper et de l'enlever avant de l'ouvrir. C'est-tu vraiment... Ah, c'est vraiment un trap chest. What the fuck? Oh. What the fuck? Ok, on prendra pas ce coffre-là. Oh! Il y a un trou ici. What the fuck? Il y avait une pièce cachée, Léa. Attends. Je l'ai vu avec un petit trou qu'il y avait. Il y a un coffre... Oh! Un diamant! Nice! Je viendrai le ramasser. Pis y avait un gars qui est mort cette chance. Ok, on est dans une. Il y a plein de cellules. Il y a plein de cellules. Ah si, y a des spawners là. Un diamant. Ok. Attends, y a plein d'autres cellules. Y a d'autres coffres. Ok, y a. Oh shit. Ah, y a un coffre là. Attends, attends, attends. What? Il y a des marches ici. Urk. Que de la merde. Des toiles d'araignée et des bâtons. Y'a un truc. Oh, ok, attends. Y'a une grande salle ici. On va faire la grande salle. Ah, attends, y'a une petite porte ici. Oh my god, ça fait peur ça. Ah, on clique sur ces lits là. Ouais, check. En bas, il y a une fontaine. Hein. Ça a l'air grand, man. Je pensais que c'était des monstres. What the fuck? Arrête de faire ça! Oh, il y a une épée Smite. Smite 4. En diable, ça peut être bon pour tuer des bibites. Y'a des quoi? Oh! Je sais pas, hein? Attends, attends. Je pense qu'il y a rien. Non, jamais. Mais y'a fuck all. Y'a pas de redstone en arrière. Celle-là, je sais pas. Non. Pas de redstone. Ouais, moi aussi, je sais pas si il doit être en bas peut-être. Oh, y a des monstres là. Pour moi, il y a un spawner. Oh, diamant. Ender Pearl. Hey, on l'a pas lui. Yep. Yeah.
Oh, ok. Oh, Lucie est cachée. Urk. Ah, on est déjà allé là. Oh. Y'a Creeper. Bro, ta grosse tête. C'est grave, au palais. Ça va? Ouais. Ouais. Y'a des coffres. Oh, diams. Oh, j'ai pas mis le port. Bon, c'est bon, je suis me battre. On est allé là. Comment je fais des crises cardiaques? Oh, y'a un coffre, c'est. Oh. C'est TNT, watch out, watch out, watch out. Il était pas piégé, celle-là. Il était vachement sous sympa. Et toi, tu fais. Oh, y'a un coffre là. Oh, ici, tu penses qu'il y a des zombies, j'entendais des bruits. Oh my god! Watch, watch, watch! J'ai plus de vie. Derrière, derrière. Oh putain! Non, 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 je vais mourir! Aide-moi, aide-moi! J'avais pas de beau. J'ai pogné un cul-de-sac en essayant de me sauver, puis. Plein de zombies, il en reste là. Mais je pense qu'ils sont dans le mur, les spawners ici. Attends, y'a une porte. Oups. Mais fuck all. Oh my god. J'y vais pas. Bah, soigne-toi, ouais. Mais là, va pas vers là-bas, il est là-bas le spawner. Ah merde. Sauvez-moi. On va cleaner la place. Là, il y a plein de livres. Check, check pour essayer de trouver des coffres, peut-être. Y'a un zombie là. Y'a des spawners partout. Où ça des spawners? L'eau, l'eau dans les araignées. Hostie, y'en a un caché, man. What the fuck. Viens voir. En dessous des marches. Au bout des allées. L'eau bord, l'eau bord. Ouais, de la merde. L'autre coffre en bas aussi. Ouh, Sweeping Edge 3, multi-shot. Ben, multi-shot c'est correct, là, mais Sweeping Edge 3, pas c'est fort. Attends, y'a des livres. Attends, veux-tu la lire? Ouais, je vais le regarder. Jour 252. Aujourd'hui, c'est le grand jour, nous sommes tous prêts à plonger dans le portail. Qui sait ce qui va nous arriver de l'autre côté? Le reste du journal semble vide. Alors, on n'a pas checké, mais il y en avait peut-être d'autres. Ça s'appelle Registre de recherche, le nom du livre. C'était juste une page.
Ah, y'en a une, là? Oui, jour 249. Les chercheurs ont finalement réussi à ouvrir le portail. Il ne fallait que le reste du journal... le reste du livre a été retiré. OK. Il y en a un autre. Jour 1. Jour 1? Mon Dieu. Après la fuite de notre village... Oh, 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 tombez pas. Jour 1. Après la fuite de notre village, nous devons trouver une façon que cela ne se produise plus jamais. Les plus aventuriers du groupe sont partis à la recherche des plus grands chercheurs pour notre projet. Le reste du groupe, dont je fais partie, s'occupe de la construction d'un abri et de la survie du village. Il manque une partie au journal. Jour 24. Nous sommes maintenant bien installés et en sécurité. Tout se passe bien avec les membres, avec les nouveaux membres. Les recherches vont enfin pouvoir commencer. Le reste du journal a été déchiré. Ah ouais, déchiré. OK. Là, il manque-tu des livres? On a-tu tous les livres? Ouais, on va monter en haut, je pense. On peut essayer de les mettre en ordre après, peut-être plus tard. Là. Mais on n'aura pas assez, d'après moi, là, qu'il y a 300 pages. Ouais, y'a rien ici. Ah, y'a un coffre là, en arrière. Du pain pis des torches. Y'a pas mal de torches. Ah ben prends-le, le pain. Tu peux prendre le pain, Léa. Ou je vais le prendre là. Ici, ça descend. OK. Côté-là. Ah, il y a un bloc de fer ici, on l'a pas vu. Un bloc de fer. Bon, ah, il y a un autre coffre là. Efficiency 3, c'est bon. Et Chris, il y a des torches, prends-le. Ouais, il est de l'autre bord du mur, on dirait. Bon, ben ça, il y en a plus. Ah, pis y'a un autre bloc de fer, là. Ouais. Bon. Ok, fait que y avait-tu. Ben, on est rendu. Oh! C'est quoi ce spawner-là? Ah non, c'est Silverfish, en fait, ça. Ok. Bon, mais. C'est un portail pété. Ouais, il a l'air pété. Il est pas allumé, rien. Ok, on va continuer. Oh, Creeper! Non, je suis éclairé juste à côté. Il faut monter. Ben, je pense que oui. Il y a un coffre de merde. Ouais, je pense qu'on a fini. Bon, ben, rip. Fait que le portail était vraiment pété. Jour 1. Après la fuite de notre village, nous devons trouver une façon que cela ne se reproduise plus jamais. Les plus aventuriers du groupe sont partis à la recherche des plus grands chercheurs pour d'autres projets. On sait pas trop c'est quoi leur projet. Puis après la fuite de leur village, fait que j'imagine qu'ils se sont fait attaquer par les pilleurs probablement. Le reste du groupe... Ce serait pas juste du village qui s'est fait attaquer, ce serait aussi qui s'est fait attaquer puis qu'ils sont partis dans le bunker après. Je sais pas. Je pense pas parce que l'autre il a dit qu'il s'est direct allé au bunker puis à moins que c'est ça le bunker. Non, d'accord. Mais on trouve pas les villageois. Le bunker c'est sous terre, je pense.
Ouais, c'est vrai. Ça a pas une allure de bunker. Une allure de bunker, c'est pauvre. Là, il y a des diamants. Ouais. Quoi qu'il dit, non. Oh my god, mon micro était fermé tout le long. Oh, mais c'est pour ça que je pensais que t'étais buzzé. Ok, mais attends, je vais te le relire. C'est sûr que l'affaire des villageois, là, c'est pas les mêmes. Parce que c'est jour 249, ça fait pas 249 jours. Si que c'est arrivé. Je pense pas. Attends. Toi, t'as entendu jusqu'à où, mettons, là? Attends, je vais le relire au complet, au pire. Ouais. Jour 1. Après la fuite de notre village, nous devons trouver une façon que cela ne se reproduise plus jamais. Fait que c'est ça, ils ont fui leur village. Les plus aventuriers du groupe sont partis à la recherche des plus grands chercheurs pour notre projet. Fait qu'il y avait besoin de grands chercheurs. Okay. Le reste du groupe dont je fais partie s'occupe de la construction d'un abri et de la survie de notre village. Il manque une partie au journal. Fait que ça sort direct au jour 24. Nous sommes enfin bien installés et en sécurité. Tout se passe bien avec les nouveaux membres. Fait qu'ils ont réussi à avoir des chercheurs. Les recherches vont enfin pouvoir commencer. Le reste du journal est déchiré, ok? Après ça, on saute 249, là, fait que c'est pas mal plus loin, là, c'est 8 mois dans le futur, en fait. Les chercheurs ont finalement réussi à ouvrir le portail. Il ne fallait que 3 petits points. Fait que je sais pas si c'est les villageois qui ont construit le portail. Ou peut-être qu'ils l'ont trouvé. Ouais, je sais pas, parce que ils parlaient pas de portail, puis là ils parlent d'un portail, puis qu'ils ont réussi à l'ouvrir. En tout cas, le reste du livre a été retiré. Okay. Jour 252, fait que c'est 3 jours après. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous sommes tous prêts à plonger dans le portail. Qui sait ce qui va nous arriver de l'autre côté? Puis le reste du journal est vide. Fait que ça veut dire qu'ils ont. Sont pas revenus probablement. C'est pour ça que le portail est pété, fait que vu qu'il est pété, on peut plus revenir. Ah, ça se peut, ouais. Attends, je vais te donner les livres, tu les prendras. Fait que c'est registre de recherche. Attends, là, c'est parce que je me rends pas à. Où est-ce que ça coule? Oh, ok. Ouais, c'est la sortie. Pour vrai, on peut sortir par là. Sorte dans l'eau. On voit la surface. Ben. Ça, c'est ce que j'appelle une sortie efficace.